Le fils de Legolas, ici, il arrive. Je vous laisse regarder sa performance à Nancy également. Très bon deuxième. En plat, le frère de plusieurs bons gagnants, de d'Astari, Derry notamment. Combien pour débuter les enchères? Le voici. C'est vraiment bien ce qu'il a fait pour ses débuts. Bon, alors là, on a besoin d'avoir des explications, mon ami. Quel voulez-vous pour débuter les enchères? C'est le grand Irlandais qui est avec Nikit Balanda. 30 000 euros, je vous laisse. Tout à fait dans le fond. 30 000 à 30 000 euros pour débuter. On va essayer de vous les montrer, c'est pas facile. 20 000. Ils sont rejoints par David Cotin. Le fils de Legolas à 20 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 20 000 à 20 000 euros. 20 000 pour débuter. 20 000. 20 000 euros. Mettez vos enchères, Laetitia. 20 000. Il vaut mieux que ça, ce cheval à 20 000. 20 000. 20 000. On est en train de prendre les infos. On va vous les donner dans quelques instants. 25 000. Pour l'instant, on va continuer avec. Voilà, on s'était complètement trompé. C'est Alex Elliott qui achète un courtier irlandais. Le cheval ira en Irlande. Il n'y a pas encore de. D'entraîneur défini. D'accord. Et le nom du propriétaire est gardé secret. Tu peux essayer d'interviewer Alex Elliott ou pas? Alex. In English. In English. Oui, Alex. Là, c'est pas lui qui est à côté de lui. Yes. He's on the phone. He's on the phone. Tu m'étonnes. Oui. Alors vas-y. Alors 40 000, c'est toujours Laetitia. Tel un chasseur. À 40 000. 40 000. À côté de sa proie. À 40 000 euros. Très bon. Dès qu'il aura lâché le téléphone, dans l'Est, tu lis sur le dessus. 45. Et on va essayer de l'avoir en interview. On va essayer de vous le montrer. C'est pas facile. Il est tout à fait dans le fond. À 50 000 euros par vous. Alex Elliott. À 50 000 euros. Voulez-vous 60? Attends, mais je crois qu'il est sur celui-là aussi. 50 000. À 50 000 euros. La balle en chair, toujours à 50. 50. À 50 000 euros. Donc il a acheté pour 280 000, je vous le rappelle, Indiana Jones. 55 000. On met 60. Et maintenant, sous l'entraînement d'Hugo Merienne, c'est Gonzo Derry, un fils de Legolas et Panzara Derry. Panzara Derry par Cadoubel. Deuxième en débutant à Nancy. La souche Derry, la souche Pelsis. Toujours chez vous, pas d'erreur. Souche de l'Est. Il est en train d'acheter l'autre. 65 000. Alex Elliott, on va le laisser tranquille parce que les gars qui veulent dépenser 70 000 euros, on va pas les déranger, n'est-ce pas? 75 000, 75 000, 75 000 à 75 000 euros, pas de regret, mettez vos enchères. Hugo Merienne, tiens. Oui, Hugo Merienne. 80 000, alors là, on est dans une en phase... En plus, je mettrai ma main à couper que celui qui l'a battu l'autre coup, c'est celui qui va gagner les guillotines. C'est celle qui va gagner le prix des guillotines. Ah bah tiens. Gulip. Gulip. À Sylvain Dehaize. Attention à tes mains quand même. Et celui-là, il a fini... Il y en a qui ont dit comme ça, je me coupe les couilles s'il ne gagne pas. Eh ben, il y en a eu beaucoup d'émasculés. J'ai dit que je ne coupais rien du tout. Entre ceux qui disent si s'il ne gagne pas, je me fais moine, je te dis pas, il y a une recrudescence. 100 000 euros. Une recrudescence de vocation. 100 000 à nouveau. 100 000 euros. Bah, 110 000. Legolas. Legolas, l'étalon cher, la Clodive, Pelsi, Gonzo Derry, un cheval de l'entraînement Merienne, un cheval élevé par Clodive Pelsi. Élevage Derry, repris aujourd'hui par son neveu Antonin. 130 000 euros au jour, au moment de faste. L'or tombe du ciel, la maison Lafitte. Ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé ici, Marc. Et donc, grâce à cette troisième vente, aussi. Troisième vente 100% obstacle organisée par Osarus ici. Toby Jones à 150 000 euros. Toby Jones, c'est le jeune là. C'est le jeune qu'on a interviewé tout à l'heure qui est à la place de David Cotin. Et où était David Cotin tout à l'heure? On va vous le montrer. C'est lui qui a l'enchère. C'est lui qui a l'enchère. Toby, on va vous le montrer, Toby Jones. Toby Jones, 80. Là où 180. Était David Cotin, juste tout à l'heure. On va vous le montrer, de la bande PMU. Il est assis, allongé à la bande PMU, enfin, accoudé à la bande PMU pour être tout à fait exact. À 180 000 euros, mesdames, messieurs. 10. Voilà, again, il vient d'en mettre une. Non. 190. 200. 200 000 là-bas. À 200. 210 000. Plusieurs fois 200 000. C'est Toby Jones qui a l'enchère. Le voilà. Il en mord son catalogue. Il vient d'arrondir à 200, mais 220. On vient le voir en direct, 220. Est-ce qu'on va battre le record qu'on vient d'avoir à 280 000 euros? Pourquoi pas? Why not? Et pourquoi pas atteindre les 300 000 euros avec un fils de Legolas? 40. On sait jamais. Oh, il l'aime beaucoup celui-là. Against you, against her. À 230 000. 5, 235 000. 5 000. 250. Bah, il monte. Ah oui, il a pas dit 5, il a dit 50 en fait. Le fils de l'Est. Oh là, il est raide énervé le Toby. Très bien débuté dans l'Est. C'est quoi, c'est 280 000 l'autre? L'autre 280. Je crois qu'Alex Elliott va pas aller contre lui là. À 250. Il a peut-être pas dépensé 500 000 attends, en deux. Attends. 260. Oh. Bah tiens.
260. Que va faire Toby? Il a essayé d'avoir un comportement très agressif pour mettre à terre. A noter qu'Alex Elliott, oui, ça n'a rien à voir avec Gordon. Hein. Non. 270. Ah oui, 270. Bah allez, 300. On va y aller 200. Par étapes. 270 000. Toujours ils vont, chez ils vont vous le dépasser, l'autre. Hein. Voilà. 280 000. Oh là là. À 280 000 euros, l'enchère à droite, toujours deux par Geoffroy. Deux top price à 280 000. C'est de la folie sur Maison Lafitte. Et voilà, 300 000. Toby, hey, Toby Jones, 300 000. Qui en plus est un Anglais qui parle français, quelle joie. Le 400 000 euros l'enchère toujours ici par vous, Laurence, pas d'erreur. 300 à 300 000, 300, that's what we have now. À 300 000 euros, 300 000 euros, 300,000. Il est battu. Against you, sir. 300 000 euros, 10. 300 000 euros, c'est votre enchère, Laurence, toujours à 300. Pas d'erreur. 300. Attention. Contre vous, Geoffroy. Est-ce que Alex Elliott va à 300 000 euros. Dernier appel. Dernière fois à 300 000 euros. 300 000 euros. Gonzo against you, again, sir. 10, if you like. À 300 000 euros. Dernière fois, dernier appel. C'est votre enchère, Laurence. La grand-mère par Marazali. Ça, c'est du croisement des riz. Pas de regret. Last time. Last call at 300,000 euros. Attention, c'est pas fini. Thank you very much indeed, sir. À 300 000. Dernière fois, on a juge. 300 000 euros. Votre enchère, Laurence. Toby Jones. Merci beaucoup. Toby Jones, congratulations. Toby Jones. Le lot 103 est absent. Nous passons donc au. Congratulations. Par le Hara Denki. Princesse Pauline. Et congratulations, mon petit Antonin. Bravo. D'une poulinière grise. Elle est... Ça fait quelque chose, hein.